Alors, on est le deuxième jour complet à Vienne, le troisième jour depuis le début de l'aventure. Aujourd'hui, c'est le dernier jour complet sur place. On va aller dans Vienne, on va visiter un petit peu le centre-ville, voir un peu les quartiers sympas. Peut-être aller voir par exemple la maison de Mozart et autres endroits de ce style. Et puis, je vous emmène avec moi, vous êtes prêts? C'est parti! On est tombé sur un marché. Avec des habits typiquement hongrois. Marrant ça. Ça c'est un peu moins typiquement hongrois, mais. Ah, t'as des lunettes? Wiener Schnitzel, c'est ce que j'ai mangé. Excusez-moi pour mon accent. Mais je progresse, je progresse. Ça, c'est des grosses bouteilles de vinaigre, des sacrées bouteilles de vinaigre. Gegenbauer. Gegenbauer, c'est ça? Gegenbauer. Gegenbauer. Ouais. Gegenbauer. Ça, c'est des vinaigres et des bières. Vinaigre et bière. Trouver marchande. Hop. On est Kartner Strasse. Kartner Strasse. C'est la rue. Oui, ça je sais. Bon, dans une rue commerçante, quoi. Voilà. C'est ça, c'est leur Sainte-Catherine à eux. La référence. Ouais, c'était la gouvernante, je crois. Ouais. Gouvernante de Marie-Thérèse, la fondatrice de la dynastie d'Habsbourg. C'est le tombeau de Marie-Thérèse, fondatrice d'Habsbourg. Le cercueil de Marie-Louise, la deuxième femme de Napoléon. Le tombeau de Sissi, de son mari et de son fils. À ce que l'histoire est pas. C'est la tombe de Sissi avec plein de cadeaux. Bon, on va
vient de sortir des cryptes, donc l'entrée c'était 7,50€. C'est à peu près une vingtaine de minutes pour faire le tour. Et il y a peut-être 150 tombeaux. Ouais, quelque chose comme ça. Voilà. On a notamment vu celui de Sissi, son mari et de son fils. Donc c'était plutôt sympa. Il y a des choses qui sont vraiment très très simples et des tombeaux qui sont juste énormes. Donc c'était plutôt sympa. Moi j'ai bien aimé. Donc là, on va à la Bibliothèque Nationale. Thank you.
Donc là, on est dans un restaurant. Moi, j'ai pris case trilogie. Donc, c'est du fromage pané avec une sauce framboise et une sauce tartare. Et toi, t'as quoi déjà ? Moi, j'ai un tiroler Brustel. C'est du porc rôti avec de la viande, du bacon, des oignons, des patates et avec un œuf. Ouais, enfin de quoi bien se caler pour toute l'après-midi. Voilà. Donc voilà, là j'ai ouvert le premier. C'est du fromage bien fondu. Ça a l'air délicieux. Alors le premier c'est plus de comme de l'emmental. Là ça fait un peu plus une sorte de camembert. Je vais goûter ça, mais ça a l'air très bon. Bon bah voilà, on a fait le tour du musée aux arts. C'est un peu long aussi, comme en fin de journée on était un peu fatigué. Mais l'histoire est très intéressante, mais il n'y a pas grand chose à voir. Et on était un petit peu fatigué. Bon bah ce soir on est dans un resto italien parce qu'on n'a rien trouvé d'autre. Moi j'ai pris une salade mozzarella et là-bas il y a des lasagnes. Voilà. Pour finir la soirée, c'est resto.